La Tanzanie est un pays doté d'un immense potentiel agricole. Elle possède des sols fertiles, des ressources en eau et seulement un quart de ses terres arables utilisées. Par ailleurs, 70% de la population vit de l'agriculture. En 2010, au forum de Davos, le président Kikwete a lancé un gigantesque projet pilote pour développer le potentiel agricole du Sud et assurer la sécurité alimentaire du pays. Nom de code, SACOT, pour Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania. Ce projet est aujourd'hui piloté par Geoffrey Kirenga. L'ambition est de créer un vaste corridor agricole de l'océan Indien aux frontières de la Zambie, soit un tiers du pays. La stratégie est de coordonner et concentrer les investissements et les aménagements sur cette zone. Cela passe par un partenariat novateur entre le gouvernement, des entreprises privées et des bailleurs de fonds. D'une part, pour développer des infrastructures et des installations, routes, réseaux électriques, centres de transformation. D'autre part, pour regrouper tous les acteurs de la chaîne de production agroalimentaire au sein du corridor. L'un des principaux objectifs du SAGOT est d'engager les petits producteurs dans une agriculture rentable, en renforçant leur capacité de production, les débouchés et leurs revenus commerciaux. Le SAGOT Center s'appuie notamment sur un outil de pilotage appelé Vital Signs, qui modélise l'impact des décisions en termes d'agriculture, d'écosystèmes et de conditions de vie. La Tanzanie a désormais l'ambition de devenir exploratrice de produits agricoles. Le corridor du Sud sera peut-être bientôt une source majeure de revenus pour le pays. Et pourquoi pas la Silicon Valley agroalimentaire de l'Afrique.